Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Total War Warhammer 3 Immortal Empire en multi, toujours accompagné de Gaelden. Salut à tous. Alors, la situation est compliquée. Morati se retrouve acculé, et non pas en, contre ses ennemis, Quelle et vulgarité. elle n'aime pas forcément ça. Cet homme Dit-il? est d'une vulgarité. J'ai rien dit, moi j'ai dit qu'elle était acculée. On sait très bien ce que t'as pensé. Espèce de vieux pervers. Jamais. Enfin, jeune pervers. Jamais. Le Jamais mec. je n'oserais. Ah non, il était en recrutement. Oh, c'est naze. Chier. Tu vas te Voilà. En même déplacer temps, en chier. vitesse normale. Tu vas te mettre là. Alors, j'ai Morati et j'ai Morancy comme seigneur. Ça doit pas être facile, les discussions. Alors, des balises faucheuses, c'est bien, ça vend du rêve. Ah bah oui. Un peu mon vieux. Ça se recrute en un tour. Putain, j'ai déjà plus de sous. Hop là. Vraiment Ah, basté. ça coûte que 177 d'entretien les balistes. Ah ouais, quand même. Alors, Morati. Morati, normalement, elle gagne. Hein, on va dire. Hein. C'est bon. Contre Arnaïm, normalement, ça passe. Victoire à la Pyrrhus, quand même, hein, il me dit. Bah, on la joue sinon. Tu la gagnes. Oui, on va la jouer. Tu la gagneras plus que la Pyrrhus. Ça me gêne. En plus, ces arbalétriers n'ont pas de bouclier. Ouais, bah Donc, c'est. on fait pas de défense. Hein, on y va comme des Ah, bah sangwars. oui, Hein. là. C'est parti. Parce que sinon, bah, il va revenir. Eh Voilà. oui. Non, non, mais là, c'est. Si, ils ont des boucliers. Ah non, c'est les. Ah Si, non, si, ils ont si, tous c'est des ceux à boucliers. bouclier. Ouais. C'est moi qui ai dit des conneries. Mais non, mais non. Tu te fais du mal. Oh, bon, tu sais. Bah, de toute façon, ce sera Fufu Style pour aller choper les points. Bah non, c'est il y a des murs. Hein. Ouais, bah ça t'empêche pas de le faire en Fufu Style. Hein? Les tours, elles te détectent pas automatiquement? Et non. Bah, c'est surtout en fait. Alors là, tu peux gruger en quelque sorte. En fait, tu as la possibilité. Tu mets toute ton armée d'un côté. Et tu mets tes troupes fufu ou les plus rapides de l'autre. Et donc lui. Mais si c'est les plus rapides, il faut les cacher. Donc il faut qu'il ne voie pas tes troupes. Enfin, un groupe. Le groupe Ah en oui, et puis oui. question, tu l'emmènes vers le point central. Et bah, le reste des troupes, en fait, lui, quand il va se déployer, il va caler tout le monde là où il voit les adversaires. Sauf que voilà, Oui. le truc c'est que Je même vois. Je... en fait même quand tu vas mettre tes échelles sur les murs avec tes troupes fufu, il va un peu bouger mais pas vraiment. Donc Il va pas les voir, enfin. si il va quand même aller inspecter. Il va se dire mais tout ceci n'est pas très normal. Pourquoi Les échelles qui ont poussé sur mes murs. des échelles se posent-elles toutes seules? Ce que fait n'importe qui d'un côté. Voilà. Hein. Je veux dire, t'es un humain, tu vois des échelles qui poussent sur tes murs? Bah dites donc, on n'essaierait pas de mettre des unités invisibles? Et moi, j'ai fait quelques prises de ville en utilisant des méthodes similaires. Ça le fait. Ça marche bien? Ouais, bon, c'est un peu du cheese, hein, mais c'est pas. Donc, tu vas t'occuper de l'invisibilité. Ensuite, tu peux y aller à la bourrin, sachant qu'il a quand même pas énormément de troupes. Moi, je peux me mettre tout à droite et puis tac, je peux choper son point central, son, je peux choper 3 points assez rapidement, dont le point principal. Si toi tu mets tout le monde à gauche pour l'attirer, parce que là t'as pas beaucoup d'arbres pour cacher du monde. Bah, c'est ça. Parce que même si tu mettais du monde là. Ouais, je sais pas. Je me demandais si je mettrais pas les démonettes et furies là.
Bah, le seul problème, c'est que si tu fais ça, moi j'aurai un peu plus de monde de mon côté, potentiellement. C'est-à-dire les gens seront plus proches. Ceci dit, cette carte-là est pas géniale, parce qu'il peut de toute façon revenir assez rapidement. Donc il faudra de toute façon que tu les occupes. Bah c'est En... ça, parce qu'en Voilà. fait, c'est pour un peu dégager à gauche, quoi. Ouais, bon, écoute. Bah, à la limite, tu les fais courir sous la porte et tu défonces la porte. À mon avis, ce sera plus efficace que d'essayer de monter au mur. Avec les furies, tu Ouais, penses? avec les furies. Je pense que... Bon, les portes, elles sont pas si solides que ça. J'ai toujours trouvé que c'était quand même pas des barrières imprenables. Allez, c'est parti. Are you ready? Tu laisses tes cavaliers tout seuls là? T'es au courant que en l'espace de quelques secondes, il n'y en aura plus beaucoup. Mais en fait, comme ça, il va mettre une unité d'archer. D'accord. Ça va débloquer, t'inquiète, t'inquiète. Il Pas de a une soucis. idée. Hop. Et bah tu vois, il a même pas mis d'archer devant mes cavaliers. Donc ils peuvent aller casser la porte. D'accord. Ou alors il a mis les ombres. Et on les voit pas. Alors c'est quoi? Des affreux lances et des archers. Ah, il a mis des archers qui regardent à l'intérieur de sa ville, ce qui est très intéressant. Ouais, mais il les fait toujours bouger de toute façon. Oui, mais ça je me Bon, doute. c'est bon pour moi, du coup. Bah go hein les gars. Si vous voulez que je vous dise moi. Ouais, c'est bizarre, il n'y a même personne face au cavalier. Non. C'est chelou. Ah, à moins qu'il y ait des ombres. Parce qu'il C'est a... ce que je disais, il y a peut-être les Ouais, ombres, il y mais. a une unité d'ombre. Il a mis des arbalétriers devant les furies et Bah oui, ce qui est un peu logique. les démonettes. Ce qui est très très logique, hein, Je on est serais lui, d'accord. j'aurais fait la même. Mais bon, comme ça va aller vite, Ouais. bah, moi c'est bon. Bah c'est bon, C'est bah, tu vois, parti. j'ai que 3 unités à gérer, moi. Il n'y a vraiment rien contre les cavaliers, ils se font pas tirer dessus. C'est ouf. Ça balance des boules de feu! Mon Dieu! Est-ce que... Ah oui, c'est les tours. Ouais, mais ça rate. Bah écoute, il a vraiment rien mis contre les cavaliers. Hein. Enjoy. Bah du coup, tu vas pouvoir rush. Par contre, il a préparé tous ses arbalétriers pour venir me cueillir après. Oui, si, maintenant il y a du monde sur les. Hop là, les Ah, démonettes ça et j'adore. les furies. L'assassin, il est tout seul et il a 5 jeux d'échelle. Il pose 5 jeux d'échelle quand il s'installe, quand il les installe sur les murs. Eh, il a un gros cul, Si hein. c'est pas du talent, ça. Bon, les démonettes et les furies ont réussi à casser la porte. Ouais, Enfin, tu vois, elles c'est sont au vraiment en niveau de la carton. porte. C'est vraiment en carton. Merciless Warriors! Là. Pourquoi pas. Ah, ils peuvent tirer à travers les murs. D'accord. Je savais pas qu'ils pouvaient tirer en dessous de la porte. Bah ouais. Ok, pause. 2 minutes. Parce que là, il y a tous les tireurs qui sont devant les démonettes et les furies. Oh, tous, non. Attends, il y en a deux. Même pas, t'en as qu'un. Il n'y en a qu'un, donc T'as qu'une les unité de furies, elles son vont retrait aller. et qui sont en plus dans le dos là pour l'instant. Il doit Ouais, les... donc Je enjoy. pense Hein. qu'il doit les ramener vers la barricade. Allez, Bah, ça... c'est pour ça que je fais rentrer les furies direct sur lui. Ouais, ce serait bien même qu'elles arrivent à les choper avant le. Avant Ouais. qu'ils montent. Hop, et tu sais quoi? Bah la cavalerie, elle va y aller aussi. Elle va abandonner la porte. Ouais. Sur laquelle elle est en train de se taper pour... Ouais, ça a du sens. Waouh, tes sombres traits là, ils sont. Oui, non mais T'as une t'inquiète, ils sont... unité qui s'est fait bien découper. Elle n'a pas été défoncée, elle était déjà comme ça. D'accord. Ouais,
Ah bah c'est les sombres traits, on fait demi-tour, ils sont sympas. C'est ça. Putain. C'est con, il y a. Wow. Qu'est-ce qu'elles font les démonettes là? Attaquer ça? Bande de cons. Est-ce que... Oui, les démonettes, elles ont réussi à prendre les sombres traits. Dommage pour eux. Et ça, c'est très bien. Ah, les furies, pardon. Donc là, ils vont mourir comme des cacas. La cave. It is done. Que fait ma cave? Elle avance. Rien visiblement. Bah si. Elle fait le tour. Elle fait ce que tu as dit de faire. Ouais, mais elles sont pas assez rapides. Voilà. Ah oh bah en plus, monsieur voudrait que... Ah bah oui, hein, que ça se bouge les fesses. Hein. We are ready. Les portes sont à vous. Oui. Are the champion. Shades. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Bon, c'est sombre trait à bouclier. On les oublie. Waouh, la cavalerie. On va se calmer. Ah, j'ai les ombres. Et tu l'as trouvé? Vu. Alors, la cavalerie, elle va aller chercher les ombres. Je suis sur le spot central. Ok. Avec l'assassin. Oh, lâche, vos guerriers fuient. Et j'ai chopé un premier... Dark Elves. Un premier point de ravitaillement. Et pour aller choper le deuxième. To destruction. Ça, c'est fort des ombres hein, contre... Contre les démonettes. Ah ouais? Yeah. Ouais, mais c'est ombre plus triste lame. Oui, mais les tristes lames, ils sont tous morts bientôt. Il y a une boule, une grosse boule là. Putain, tu dis un bombardement là-dessus. Ça ferait tellement plaisir. Oh là là. T'as pas un sort de bombardement là? Non. C'est dommage. Elle a pas, grand-mère Morati. Oh la merde. Momo, elle a pas. Cold-blooded killers. Ok. Wow, ils sont montés là. Ils prennent cher, tes. Wow, tes troupes. Tes arbalétriers là, ils sont découpés. Là, ils ont pas de bouclier. Hein. Et ouais, pas de bouclier et pas de vie. Ces sombres traits, ils auront utilisé toutes leurs munitions quasiment. C'est ça. Après, j'ai. Là, j'avais jamais entendu ce qu'elles disaient les. Les Furies. Elles disent femme fatale. Bon, c'est. J'ai quasiment le. Le point principal. Ah, ça lag. C'est horrible. Pas du tout. Ah, yeah. Voilà. Bon, ces sombres traits, ils se font défoncer par mes furies. Hein. Ça, c'est très bien. Ah, encore heureux. Par contre, l'ordi, il dit qu'on perd toujours. Hein. Non, c'est normal. Non, tu vois, là, t'as la barre verte en haut qui est en train de se remplir doucement, mais sûrement. C'est pas le... Je croyais que c'était le machin des forces, là. Non, le rapport de force, c'est tout à gauche. C'est celui qui est juste à côté du timer. Et le, ah oui. les points de victoire, grâce au bâtiment clé, c'est la barre du milieu. Il
personne de se replier. Voilà. Non, tu meurs? Mais abandonne, t'as perdu. Je pense qu'en effet, il est mal barré. C'est bon? Ils ont tous fui là ou pas? Oh, mes unités sont découvertes. Pas encore? Qu'est-ce qu'il lui reste? Il y a une unité de. Une unité d'archer. Ah bah tout ce qui est du côté avec les. Bah oui. Les affreux lances quoi. Envoyer l'assassin sur les sombres traits, logiquement. Ça devrait les occuper suffisamment longtemps. Alors, les affreux lances, ils ont fui dans la ville, ce que je trouve toujours très intelligent. Et ils tiennent ces tristes lames. Hein. Je pense qu'on aurait eu moins de pertes en la faisant en auto. Je pense, je sais pas. Bon. Ouais. Allez, mais fuis quoi. Le truc, c'est que les unités perdues, c'est que des unités de base. Oui, je sais. Alors qu'en auto, t'aurais perdu de tout. Allez, on va y aller, là. Prendre ça, parce que ça commence à me saouler. Je vais venir t'aider à prendre le point, là, parce que. Ouais, je crois que ça va se débrouiller. Oh là là. Assassin qui se bat, ça fait une petite pirouette. D'ailleurs. Tiens pas. Ah. Eh ben ouais. C'est la victoire. La victoire. Victoire à la Pyrrhus, comme l'avait dit l'ordi. GG nous. Ah, on a peut-être perdu deux unités d'Afrelance. Hein. Et on aurait perdu qu'une unité d'Arvalétrie. C'est dramatique. Ah, sur ta victoire en auto, tu perdais qu'une unité d'arbalétrie. Ouais. Ah. C'est pour ça que je disais que je pense qu'on en a perdu plus en la faisant manuellement. Ouais, sauf que tes furies, tes démonettes auraient peut-être pris encore plus cher. Les ombres auraient pris des dégâts, alors que techniquement, bah. Oui, bah oui. Elle reste full quoi. Mais c'est sûr qu'ensuite il faut que tu arrives à recruter. Il faut que tu arrives à recruter du T1 quoi. Que tu reprennes des affrelances. Oui, non, mais ça, ce qui est bien, c'est que c'est le recrutement de base quoi. Allez. Mais en même temps, ça lui met un gros coup parce que il a plus que l'éclat de la lune. Et la forteresse du bastion désolé, mais qui est en train de se faire piller par une armée juste à côté, quoi. Ouais. Donc, techniquement, ça lui fait mal quand même. Il va peut-être devoir supprimer des unités. Ça reste qu'il y a. Oui, non, mais. Supprimer des unités ? Non, ça, j'y crois pas. J'ai déjà eu faire. Mais après, nous, on va mieux la défendre. Si jamais il nous attaque, on pourra se défendre. Parce qu'on sera sur une ville, quoi. Avec des murs. Plus facilement qu'en plaine, en tout cas. Voilà, après, il me reste plus qu'à aller chercher l'éclat de la lune et d'aller me faire la forteresse du bastion sombre et j'aurais tué ce saligo. Ouais, t'as bien perdu. T'avais une affolance que t'as perdu. Ça va, alors. Hop. Voilà. Ok. Et Morati, elle a sa monture. Il m'a déverrouillé la cavalerie. Alors, par contre, j'aimerais bien savoir pourquoi les murs ont des brèches, sachant qu'on n'a pas fait de brèche. Tu poses des questions, franchement. C'est quoi, c'est parce qu'on a cassé les portes? Ah, peut-être. Depuis quand la logique est-elle importante?
Hop, on va Ça, recruter deux c'est affreux juste. lances, hein. C'est juste n'importe quoi. Va voir là où se trouve Sigvald. Tout au nord. Hein? Là où il y a Sigvald. Eh ben. L'IA a quand même, en dehors de l'Arche Noire qu'il a dès le départ, il a trois armées microscopiques. Avec trois unités, trois unités, zéro unité. C'est pas un Attends, t'es ridicule. où? Tout au nord, là où commence Malus Darkblade. Ouais. Ah, moi je les vois pas. Il a trois bateaux. Ouais, tu vois pas le contenu, mais il y a trois bateaux. Tu vois le nombre d'unités qu'il a. C'est n'importe quoi. Trois armées avec rien dedans. C'est Bref, l'IA. c'est ça. Bon. J'ai fini mon tour, moi. Qu'est-ce qu'on me dit? Ah oui, bah oui. Ah oui, elle a gagné son cheval, mais elle peut quand même augmenter son truc. C'est vrai que maintenant, on a le truc gratuit. Eh oui. Alors, chance de succès de l'action du héros plus 5%. Ouais. Blessé, capturé et revenu issu des pillages post-bataille. Ça me paraît bien, ça. Ah bah ça, revenu des pillages post-bataille, c'est... On est d'accord que les pillages post-bataille, c'est après avoir tué les gens, c'est quand il te dit Oui, t'as gagné 1500 c'est balles. ça. C'est les sous gagnés bah, post-bataille, quoi. Donc juste après la bataille. Ok. Et elle recrute des affreux lances, hein, parce que l'autre il va venir, hein, c'est sûr. Ça m'étonnerait qu'il vienne pas. Exarian là. Allez, plus que 184 factions, tout va bien. Qu'est-ce que tu me veux, Valkia? Une alliance défensive? Non. Non, Valkia. Tu es en guerre contre bien trop de gens. Ça, techniquement, tu t'en fous un peu. Hein. Le fait qu'elle soit Ouais, déjà ça en guerre. reste le chaos. Après, elle va se faire déclarer la guerre contre tout le monde, Ben tu vas ça, devoir voilà, venir. ça, c'est le problème. Voilà, je savais qu'il allait m'attaquer. Exarian, là. Et il lance pas l'assaut. Non, c'est normal parce que moi, j'étais pas. En... Ah, attends, j'ai Gritus. Alliance militaire Gritus pour 400 thunes. Comment dire? Non. Non, mais là, il a lancé le siège, mais il n'a pas lancé l'assaut. Eh ben, c'est peut-être qu'il pouvait pas. Ou peut-être que tout simplement, il veut d'abord te t'affaiblir. Ah oui, non, mais ça, il va vouloir m'affaiblir, hein, ça, c'est sûr. Je peux aller chercher l'épée noire. C'est très bien. Technologie recherchée. Très bien. Alors, juste voir un truc. Défaite décisive si on attaque. Ah ouais. On en est là. Bah, c'est le truc, le problème c'est que du coup ton armée n'a pas pu régène. C'est ça. Et la deuxième armée va arriver. On a bien que ça passe. On va faire ça. Ok, et ben voilà. Victoire décisive, parfait. C'est trop facile, il n'y a rien à jouer. Bon, en même temps, il est tout bon. D'un Âme côté, t'es le connectée. chaos. Ok. Tac. Ici. Ah, bah je gagne de l'ordre public. Et ça, c'est bien. Depuis que les Skaven se font défoncer. Onward to destruction. Despoil. Bah, enjoy, hein. Alors, je pense qu'il va attaquer, hein, quand même.
attaquer les unités, je m'en fous. On va perdre une unité complète d'Affrelance qui va mourir. C'est triste. D'attrition. Hop, ça s'est passé. On perd 18 mecs par tour, t'es sérieux? Elle est pas un peu pétée l'attrition là? Je sais pas, hein. Moi je dis ça, j'ai rien. Par tour de quoi ou ça? À l'attrition, quand il attaque ma ville, je perds 18 mecs par tour dans mes unités. Bah ouais, bon, c'est pas... C'est un peu pété quand même. Ouais, enfin, je sais pas, ça me choque pas non plus. C'est pas grave, il y a la deuxième armée qui arrive. Chaos universel, hop. Coup de construction, 10, ouais. Ah oui, on n'a pas pu réparer les tours, les murs non plus. Et non. Alors, j'avais fait ça pour avoir ça. Ça pour avoir des bagots, faveur générée. Ça pour avoir des chevaliers. Et là, moins 12. T'es le manticore, les hommes, les arts. Des géants et des dragons. Ah, les dragons, c'est pas des héros. Non, c'est les chagottes, les héros, il me semble. Ah oui, d'accord. Bien. Bago pour plus de croissance. Hein. Et de toute façon, on a plein de thunes. Donc, go pour. Plus de héros. Allez. Ça doit être fait. Qu'est-ce que c'est ? 5000 prisonniers, ça va être fait. Bon, ça sera pas fait. Pas tout de suite. Ça n'a aucun intérêt, ça. Aucun intérêt. On a dit pas de chemin vers la gloire pour l'instant. Et l'amélioration du poste avancé, allez. Ça t'arrêtera de me proposer. C'est bon. On va voir ce qu'il va faire. Hein. Va-t-il attaquer ou va-t-il partir comme un lâche? Ah, mais t'es, du coup, t'es pas sorti. Ah non, défaite décisive. Ouais. Non, je vais pas sortir, non. Et t'avais pas. T'as ta deuxième armée qui est en train d'arriver, non? Ouais, allez, mais il faut deux tours pour qu'elle arrive. C'est ça, d'accord. Je peux pas. Moi, je me téléporte pas, je suis pas le chaos. Je sais. Je suis pas. Je triche pas, moi. Bande de petits. Moi, j'ai pas des mecs invincibles. Hein. Petits joueurs. Ouais, voilà tout ce que j'en dis. Non, mais le chaos est trop pété, de toute façon. Tu dis ça parce que t'es en colère, de toute façon. C'est ça. Je dis ça parce que je ne t'aime pas. Menteur. Que veut le clan Gritus? Un accès militaire? De l'aide. Non. Bon, ah. Ouais, non. Limite, en fait, si ensuite tu veux, non, si tu veux essayer ça... de te faire pote avec Mazdamundi... C'est ça. Il a pas attaqué. Alors, ce qui est con pour lui, du coup, c'est qu'il va se retrouver avec ta deuxième armée qui va lui tomber dans le dos. Et je crois qu'il a enlevé des unités. Affirmatif, il a enlevé des unités. Ah bon. Ouais. Bon, et ça, c'est hop. Bon. I shall destroy. Défaite valeureuse, t'es sérieux? Attends, mais pourquoi j'ai pas la... J'ai pas de garnison. Ma garnison n'intervient pas. Non, elle a pas eu le temps d'arriver, peut-être. Elle a pas eu le temps de se constituer. Bah si, il y avait des troupes de garnison. Attends. C'est quoi cette connerie? Qu'est-ce qui me fait encore cet ordinateur à la con? Allez. Ah non, j'ai juste pas de garnison, en fait. Ouais, c'est ça.
Et t'as ta deuxième armée là? Ou pas? Ouais. J'ai pas pu. Mais si je peux voir là. Ouais, mais il me fait des fêtes valeureuses quand même. Ouais, mais. Maintenant, la question. Pour arrêter. C'est Enfin. avec quelle armée on attaque? Ça n'a. C'est une importance parce qu'il y a une armée où il y a des balistes. Et il a beaucoup de tireurs. Ouais. Et t'as que des gars avec bouclier, prends l'armée de Morancy. J'irai. Ouais, l'armée. Allez. Prenons part à la bataille. Ouais, les défaites valeureuses. Franchement, j'ai tendance à ne pas trop les regarder. Ah, il a deux héros. Ça, c'est un truc de chien, 2 mètres. Il a deux héros et un seigneur niveau 6 sur son cheval. Sur son cheval. Alors, l'un des avantages, c'est que peut-être qu'il va être suffisamment con et foncer sur. Foncer avec son héros. Ça arrive. Ce qui est bien, c'est qu'on attaque par derrière avec l'armée de Morati. C'est ça. Alors toi, tu peux imaginer de te planquer pour qu'ils viennent te chercher. Tu désactives tous les tirs. Tu les. Mais bon, je sais pas. En plus, il va être en surplomb par rapport à nous. Ouais. Je sais pas, je l'aborderai. Ce qui est chiant, c'est que mes balistes, alors, elles vont un peu servir à rien. Moi, je me collerai au nord. J'ai l'impression que tu es un peu plus en hauteur au nord. Non, non, ça fait vraiment une cuvette, hein. Moi, je vois la map, j'ai déjà chargé, regarde. Ouais. T'as une belle petite cuvette, en fait. Non, mais je te dis, tu te mets sur la butte tout au nord. Sur la butte tout au nord. Ah Genre, oui. là. Là. Oui, je vois où. Ah, je peux pas me déployer là, mais. Oui, mais. T'en approches le plus possible. Comme ça, tu seras en hauteur. Et éventuellement, tu peux voir ce qui se passe quand les renforts, tu les déplaces. Je sais pas si tu sais, tu peux déplacer légèrement. Enfin, tu peux déplacer Oui, ta si, si. truc de renfort, voire pour que ce soit un peu plus proche, sans forcément que le timer. Une Parce que. 43. Alors, de l'autre côté, je dirais. Du coup. Oui, non, mais faut le temps qu'il se déplace. 2,19. Au lieu d'une 43. Et là, tu gagnes pas mal de temps et puis tu es directement dans les bois. 2,14. Oh, le 2-19, à mon avis, c'est pas con. Tu es directement dans les bois ou presque. Je sais pas. Bon, de toute façon, les balises, elles auront du travail. Hein. Les balises vont avoir du travail. Pense à les passer en tir x4. Un tir x4. En tir multiple. Plutôt qu'en tir solo. Ah oui. Rafale multi-tir. C'est C'est ça. chargé. Voilà. Je savais même pas qu'elles avaient ça. Ça pour c'est un vieux. C'est vieux, hein. Ça date de Warhammer 2. Hein. Avec les Ouais, mais balistes. c'est parti, hein. Tu me donnes pas de troupes? Tu veux quoi? Plus pro, bah donne-moi les cacs à la limite. T'auras même le seigneur, t'imagines ça? Hop. Je vais mettre les. Tu vas te placer où? Je sais pas, j'allais me mettre au-dessus, enfin le plus haut possible avec les arbalétriers. Et les balises, tu les laisses là? Bah elles me paraissent bien là, non? De toute façon, elles peuvent pas tirer tout de suite. Bah non, monte-les aussi un peu. De toute façon, elles peuvent pas tirer tout de suite. Donc. Ça se déplace pas vite aussi les balistes? Oui, mais de toute façon, pour l'instant, il va falloir qu'ils s'approchent. Et bah, à Oui. la limite, s'ils s'approchent pas, bah tant mieux, ça laisse le temps à tes renforts d'arriver. C'est bon? Ouais, de toute façon, j'ai le temps. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il se Il nous fonce réangle? dessus.
Ils Ouais. nous foncent dessus. Non, il serait rank pour l'instant. Oui, il a l'air de pas trop traîner. Arrête tes balistes, qu'elles se mettent à tirer le plus vite possible. Allez. Elles sont bien en tir multiple, hein. Qu'est-ce que vous êtes lent, les gars? Les affreux lents, c'est peut-être pas une bonne idée, les gars. Peut-être plus les tireurs, hein. Oui. Tes sombres traits, fais en sorte qu'ils puissent tirer rapidement aussi. Attends. T'es Ah mais où, non, toi? mais les derrière mon infanterie. Bah oui, bah c'est ce que j'aurais demandé de faire. Bah oui. Dès qu'ils voudront bien se bouger le cul. Une minute pour les renforts. Hein. Ça lag. Elles visent pas bien les balistes, hein. Qu'est-ce que vous foutez? Ils font n'importe quoi. C'est pas possible. Je charge avec les guerriers du cœur. Vous voulez, les gars, hein? Merci. Ça fait plaisir. Aïe! Il me tire dessus. Oh putain, vache. Oh putain, même les guerriers du chaos ils souffrent. Hein. Pause. Bordel. Je ne sais pas que ça ferait si mal. Hein. Mon un chihuahua. De tireurs qui s'enfuit. Ouais, t'as une petite guerre du chaos aussi qui s'enfuit. Ah, mine de rien, je pense que tes balistes, elles auront fait le taf. Hein. Bonjour! Oh, ah oui, Moratti avec son. Ah oui, Moratti, elle vole maintenant! Son patoche! Allez, les beaux guerriers se rassemblent. Moi aussi j'aimerais bien qu'ils se rassemblent mes guerriers à moi. Vos guerriers se rassemblent pour toi aussi. Non, vous voulez vraiment pas. Putain, vous avez plein de morale les mecs là. Vos guerriers se rassemblent. Baliste. Oh la vache! Elle est où, Moratti? Elle prend cher, elle devrait se barrer. Bah, c'est ce que je lui ai demandé. Il y a 30 secondes. Mais elle prend pas la bonne direction. La télé, prends en cible ces corsaires des arches noires avec tes balistes. Je ne les vois pas, je sais pas où ils sont. Ils sont en plein milieu et ils sont ah oui. Magnifiquement alignés pour se faire découper par, par tes balistes. I am destruction.
Alors, Moratti. Tu veux me redonner, si tu veux, file-moi les unités de départ. De l'armée de départ, et puis gère les renforts. Hop. Attends, laisse-moi 2 secondes. Hop. Oui. Je vais mettre dans le bon sens. Ce sera mieux. Alors... Ok, c'est bon. C'est bon? Hop. Ça, c'est quoi, ça? Ah, c'est les ombres. À mon avis, tes balises, elles ont fait un nombre de morts. 83. Ah, je pense aussi que les balises, elles ont fait zizir hein, dans la mission. Là. 83. Bah, elles sont toutes les deux. 149. Il y en a une, elle est à 149. Battle ready. Bolt throwers. No mercy. Dark shots. Bolt throwers. Stop. Moving out. Les affreux lances arrivent 20 minutes après tout le monde. Bah, ils sont pas exactement la même vitesse. C'est ça. La victoire est à votre portée. Merciless warriors. Kill them. Alors, bon, on en massacre le plus possible. Hein. Bon, là, je vais te dire, tu ressors avec l'armée de Moratti. Ouais, non, mais si on peut tuer son héros. Ouais, les héros, c'est intéressant à tuer. Je sais pas où ils sont, mais. Ah, là. Déjà, son seigneur, ce sera déjà pas mal. Ouais, non, les seigneurs blessés, c'est bien. Parce qu'un seigneur blessé, c'est un seigneur qui meurt facilement ensuite. Ouais, mais il pourra pas le recruter. Oui, mais tu t'en fous, là t'es dans ton tour à toi. Ah oui, bah oui. Oh, le tir de baliste dans l'unité en fuite. Bloqué sur place. Les pauvres. As you say, dark elves. On va se concentrer sur les corsaires un petit peu. Hein. Les ombres. C'est quoi ça? Hop. On va peut-être passer en vitesse 3. Oui, je pense que ça sera pas forcément de trop. Est-ce que ces héros sont morts? Il y en a un qui est sur le point de mourir. Voilà, oui, il y en a un qui est mort. Le deuxième, je sais pas où il est. Je ne sais pas non plus. Bon, on va terminer là. Hein. Allez hop. Hop là. GG. Petite victoire de justesse. Ah, les renforts ont fait très très mal. Eh ben oui, non mais. Ah, 161 pour la baliste. Les guerriers du cœur ont fait. Je t'ai dit. Hein. Se sont amusés. Ah bah oui, 144, joli. Il leur reste 100 mecs. Ouais, perte 1270, quoi. C'est costaud. Ah ouais, non. Alors que ton armée de renfort a rien perdu. Ouais. Bah, quand ils sont arrivés dans le dos, ils ont fait mal. Hein. Mmh. Les archers se sont fait dépiauter. Hein. Bah oui. C'était un peu l'idée. C'est ça. Et comme c'est une armée très rapide, l'armée de Moratti. Bon, par contre, en frontal, elle se fait défoncer. Ouais, défoncé, faut le dire vite, mais... Voilà. Et je crois que j'ai récupéré genre 4000 balles hein, sur la bataille. Oui, non mais... Donnez-nous votre argent. D'ailleurs, tout ce qui est bonus, ça c'est une question que je me pose aussi, tout ce qui est bonus d'or post-bataille, c'est pas le héros qui lance la bataille, c'est dès qu'il est dans la mission. Enfin, ça j'en sais rien. T'en sais rien non plus. Franchement, si quelqu'un sait dans les commentaires, petit commentaire. Ça peut être
assez intéressant. On a eu des réponses assez intéressantes d'ailleurs sur le calcul de l'automatique. Ouais. Ah, c'était velu à lire, mais c'était intéressant. Bon, il s'en relèvera jamais, je pense, hein. Ah non, non, là c'est. Bah, puis là, je te dis, tu ressors, tu le termines. Non, mais la faction s'en relèvera jamais. Oui. Bah, de toute C'est le genre façon. de truc, tu te relèves. Hein. Tu t'en relèves jamais, ça. Alors. Allez, furie. Oh, putain. Oh, non, tes Alors. démonettes, elles ont pas fait grand-chose, dis donc. Non. Ah, par contre, bien Et... les cavaliers, bien. Ah, bah, ils ont chargé les archers, hein. Ouais. Oh, putain, il y Ah oui, reste. d'accord. Il Il lui lui reste reste plus que deux unités de son portrait. D'accord. là, c'est fait. Alors, est-ce que je prends des esclaves? Ah non, je peux Alors pas prendre les dépêche-toi, t'as esclaves. 5 secondes. 4, 3, voilà. Ah bah, il a été détruit. Ouais, l'armée a été. Là, voilà. Bon, je propose d'arrêter l'épisode là. Bah oui. Bah écoute, moi je pense, hein, ils auront eu un beau final comme ça. C'est ça. On vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, Des bye bye. bisous.